Eh bien, bonjour mes amis Verseau. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne de guidance L'œil du chat. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Cette chaîne est la vôtre. Eh bien, vous avez mes amis Verseau, une, deux, trois arcanes majeures, le soleil, la justice et la lune. C'est pas des moindres, mais c'est pas non plus quelque chose. Il n'y a pas de brutalité, si j'ose dire, dans ce qui découle là sur le mois d'août. Donc, comment vous vous présentez sur ce mois? Vous avez la 7 de bâtons. La 7 de bâtons, c'est la concurrence, c'est la bagarre, c'est la lutte, c'est se battre pour garder ce qui a été acquis. C'est aussi beaucoup de force. Donc il y a une épreuve difficile que vous semblez mener de front, et vous la menez de front, vous ne lui tournez pas le dos, puisque vous êtes particulièrement armé et soutenu. Vous voyez cette personne-là, elle se dresse face à, six bâtons, et un bâton est tenu par le dragon protecteur. Et cette femme-là, elle se dresse, elle brandit son épée face à toutes les menaces qui se dressent face à elle. Donc pour moi, si vous voulez, cette 7 de bâton, elle traduit une forme de difficulté dans les événements qui se déroulent autour de vous, mes amis Verseau. Il y a vraiment de l'affrontement, mais il y a quand même suffisamment de force pour aller à cet affrontement. Il y a quand même beaucoup d'énergie en vous pour pouvoir surmonter les difficultés qui se présentent à vous, et je pense de toute façon que ce sera passager puisqu'on n'est pas dans l'arcane majeur. Vous êtes volontaire du moins pour régler des difficultés et vous battre en conséquence. Alors, vous avez des forces dans votre environnement, c'est le soleil. Le soleil, c'est la carte de la réussite, c'est la carte qui annonce des bonnes nouvelles. C'est la carte qui brûle d'énergie et ça vous est particulièrement favorable. Vous voyez là ces dragons, ils crachent du feu. En fait, c'est comme s'ils alimentaient eux-mêmes le soleil. Donc le soleil est une source d'énergie. Et là, tel que c'est présenté, l'énergie est apportée par une autre énergie extérieure. Donc si vous avez, si vous voulez, cette 7 de bâton là où vous vous battez, c'est parce que si vous êtes ce soleil, j'ai envie de vous dire que des gens autour de vous vous donnent suffisamment d'énergie pour nourrir ce soleil, vous voyez? Donc vous êtes effectivement dans, vous avez, si vous voulez, de votre environnement des messages qui sont dynamisant, dynamitant aussi, et ça vous donne cette volonté effectivement de vous dresser face à l'adversité. Vous avez également des forces ennemies, ce serait trop facile sinon, et il y a deux cartes qui sont tombées en même temps, vous avez la 2 de coupe et la 10 d'épée. L'environnement défavorable traduit qu'en fait une relation semble s'épuiser intellectuellement. Vous entendez le terme relation comme vous le souhaitez, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le cadre du travail, mais on sent, si vous voulez, que l'équilibre qui était existant dans une relation, un partenariat, n'existe plus, ou du moins arrive à saturation et à l'épuisement intellectuel. Vous voyez là, cette personne, la 2 de coupe, ça traduit quelque chose de très positif. Une relation naissante, ou une relation où on regarde dans la même direction, où on se regarde au moins les yeux dans les yeux, et où on a les mêmes objectifs de vie. Et cette relation-là, elle est censée être préservée par un énorme dragon qui verse l'eau de la vie dans une coupe unique qui est partagée. Donc pour pouvoir partager des événements heureux, il faut être deux, il faut regarder dans la même direction, et il faut avoir cette même énergie d'aller dans un sens qui soit cohérent et qui convienne aux deux personnes, aux deux antagonistes. Et avec cette 10 d'épée-là, il y a une énorme fatigue intellectuelle. Quelqu'un où on est arrivé au bout d'une relation. Vous voyez, on a un dragon ici qui est couché, épuisé, ensanglanté et qui s'est battu de toutes ses forces avec une personne qui est donc son dauphin ou son maître et qui est également épuisé après s'être battu. Là, on est à l'harassement, là, on est au bord du burn-out intellectuel, vous voyez. Donc ça, c'est négatif. Ça veut dire que dans votre environnement, il y a une relation qui mène qui est déjà à la fin.
Pour autant, même si cette relation-là, elle est épuisante et que vous arrivez à la fin de cette relation, j'ai envie de vous dire que quand même, vous êtes entouré de bagarres et vous êtes entouré d'une énergie qui vous permet de vous battre. Donc, c'est pas parce que vous êtes abattu là négativement et affaibli négativement que ça ne veut pas dire que vous allez échouer. Vous avez bien envie, effectivement, d'aller de l'avant. Et comment ça se traduit dans votre présent? Eh bien, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous avez la cavalier de bâton. La cavalier de bâton, c'est la personne qui a calculé, si vous voulez, suffisamment assez, qui a beaucoup réfléchi et qui se met en avant, qui se met en action, qui monte sur son dragon et qui n'a pas peur d'aller de l'avant et effectivement de prendre sa vie en main et n'a peur de rien, si vous voulez. La cavalier de bâton, il y a quand même une forme de soudaineté, vous voyez. On a réfléchi. On peut donc changer maintenant de famille, de domicile, de travail. C'est comme si il y avait quelque chose de rapide qui vienne à tout instant, vous voyez. Peut-être que c'est probablement dû à cette relation qui arrive à son terme, peut-être. Mais c'est aussi avec cette cavalier de bâton, on n'a pas peur. Vous voyez, la 7 de bâton couplée ici avec la cavalier de bâton, c'est vraiment, je prends mon courage à deux mains et je vais de l'avant. Je pars ou je déménage ou je change de travail à cause de ça. Et heureusement, vous avez des gens autour de vous qui vous ont donné cette énergie puissante pour pouvoir agir comme ça. Et là, on est dans le présent, vous voyez. Vous êtes entouré de cette énergie-là sur ce mois d'août. Hein, vous voyez, ça fait bien un triangle, hein. On y est, hein. On y est. Qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Eh bien, dans votre inconscient, vous voulez la 10 de coupe et la valet de denier. C'est très, très, très joli. C'est-à-dire que ça, cette relation épuisante qui vous fatigue, qui vous excède, vous n'en voulez plus. Vous, ce que vous voulez maintenant, la 10 de coupe, c'est la réussite matérielle, la réussite sociale, la réussite familiale. Vous voulez être heureux, mes amis Verseau. Et c'est flagrant. Vous voyez là, ce couple, il est uni, main dans la main, l'un à côté de l'autre. Ils regardent ensemble dans la même direction avec beaucoup de bienveillance sur l'environnement qui les entoure. Ils peuvent s'occuper d'enfants parce que les enfants sont sereins, ils sont suffisamment solides pour apporter la sécurité nécessaire à toute une famille. La 10 de coupe, ça traduit aussi l'opulence, le bien-être, la réussite. Vous voyez comme il y a de jolis arcs-en-ciel là qui sortent des coupes. Et puis quand on est comme ça, bien heureux dans sa tête, on peut partager avec autrui tout le bonheur du monde. Donc vous, vous êtes dans cette énergie-là. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est la valet de denier. Alors la valet de denier, pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose de nouveau qui se met en marche suite à un nouvel apprentissage, suite à une créativité, suite à un nouveau message, peut-être éventuellement un nouveau contrat. Et si vous voulez, c'est quelque chose, pour moi, la valet de denier qui est sécurisante. Puisque ce qui est mis en place dans votre inconscient, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer sur Terre, de matérialiser quelque chose qui doit aboutir. Si effectivement dans votre tête vous avez décidé de réussir d'un point de vue familial et d'avoir des enfants et d'être heureux, eh bien grâce à la valet de denier, vous allez le mettre en marche pour dire que ça se passe. Vous voyez ce jeune homme-là, c'est comme s'il tenait les grimoires de la connaissance de la vie. Il y a des étincelles qui sortent de sa tête avec des dragons blancs. C'est un messager, le messager du bonheur. Et il est soutenu par un dragon qui est rassuré, qui tient le pentacle entre ses mains comme si c'était la bonne décision à prendre. Et regardez comme ça sécurise tout l'environnement, ce chat qui embrasse ce dragon. Vous voyez, c'est du positif ce qu'il y a dans votre tête. Donc si, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans une bagarre, cette bagarre-là, elle va se terminer ou elle va se définitivement s'enclencher parce que vous, effectivement, vous voulez, vous, c'est être heureux. Vous voulez juste être heureux. C'est quand même pas trop demandé. Alors, d'où vous venez votre passé? Eh bien, c'est là que l'arcane majeure est importante. C'est la justice, c'est votre passé. La justice, comme son mot le traduit, eh bien, soit vous avez été séparés
et que vous avez été obligé d'être jugé pour pouvoir obtenir gain de cause, ou comme si vous aviez été jugé, quoi. C'est-à-dire que pour pouvoir continuer votre vie et peut-être avoir tout ça, il a fallu que vous vous arrêtiez face à un élément majeur plus important que vous, qui est la justice, et qui se traduit, si vous voulez, par l'obligation de lire le contrat dans lequel on s'était engagé, de lire les clauses. Est-ce qu'on a respecté les clauses sur lesquelles on s'était engagé? Est-ce que l'autre a respecté les clauses sur lesquelles il s'était engagé? Est-ce que l'on a pu continuer ensemble à avancer de cette façon-là? Ou est-ce qu'à l'inverse, on doit se séparer? Alors, voyez ce dragon-là, il se dresse face aux gens, il leur bloque la route. Donc ça veut dire que par ce passé-là, ce jugement, cette justice, ce jugement de valeur, si j'ose dire, vous avez été obligé, contraint d'y passer. On ne vous a pas laissé le choix. Ça peut aussi traduire que vous avez simplement pris conseil, sans être forcément passé par la justice. Vous avez peut-être pris conseil auprès d'hommes ou de femmes de savoir, qui peuvent être donc reliés à la justice, des avocats, des notaires. Ça peut être aussi des thérapeutes, si vous voulez, dans la mesure où parfois, quand on doit se regarder dans le miroir, on est obligé de voir des gens, des spécialistes, pour voir si effectivement on n'a pas fait d'erreur dans le cheminement de notre vie. Vous voyez ? Donc c'est pas rien. On voit que c'est vraiment pas rien ce qui vous arrive sur ce présent. Mais grâce aux énergies qui vous entourent positives, vous avez quand même la capacité de vous mettre de l'avant. Alors, je vais quand même tout de suite vous parler de la 5 de denier, là, qui est ici, sous la justice, puisqu'on voit quand même qu'il y a des séparations. Des séparations, que ce soit de travail, que ce soit de collaboration, voire de couple, hein, puisque c'est un tirage général, donc on est obligé de parler de tout. Mais la 5 de denier, elle traduit, si vous voulez, une mésentente complète entre deux ou plusieurs personnes, et où il n'y a plus de discussion possible, où chacun reste sur ses acquis, sur ses opinions, et chacun finit par avancer de son côté. Vous voyez là, les dragons de l'esprit hurlent leur colère, l'ego, il n'y a plus d'entente et il y a de la casse. Vous voyez, quand on voit des deniers cassés comme ça sur le sol, ça veut dire qu'on va y laisser un peu ses billes et il va falloir que chacun reprenne le bout de son chemin. Il risque d'y avoir un peu d'aigreur, vous voyez. Et comme cette carte-là est juste sous la justice, c'est-à-dire que ce passé-là où vous avez dû vous juger, où vous avez peut-être jugé l'autre, va vraiment se traduire dans ce présent, puisqu'il va y avoir des séparations. Quelle qu'elle soit, hein, professionnelle ou pas professionnelle. Alors, je vais parler tout de suite à côté de comment ça se traduit tout ça sur vous-même. Ce ne sera pas négatif, c'est pour ça que je vous en parle tout de suite, parce que vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est le repos du guerrier intellectuel, c'est-à-dire que c'est... Il est temps qu'on se repose. La 4 d'épée, si vous voulez, vous voyez ce dragon-là qui est paisible, et sur ce dragon dort une personne, parce que, à mon avis, la réflexion a été très importante, très intense, et il faut, si vous voulez, maintenant reprendre son souffle avec cette 4 d'épée. C'est un repos bien mérité, si vous voulez. Il y a eu des gros soucis, vous voyez, dans votre passé, et dans votre présent avec la séparation, il y a de gros soucis, mais la conséquence sur vous-même, elle n'est que positive, parce que vous allez vers un meilleur développement intellectuel et vous allez vous réénergiser corporellement. Vous étiez à votre niveau le plus bas, et là maintenant, rien que le fait de vous séparer, vous voyez, ça va vous... vous allez revivre. Vous allez revivre. Alors... Par contre, il reste une arcane majeure et pas des moindres. Sur votre futur proche, probable, c'est la lune. La lune, c'est les illusions, c'est les rêves prémonitoires, c'est je ne sais plus où je vais, je ne sais plus où j'avance. Vous voyez ce dragon, il est argenté dans la nuit avec la lune pour seul éclairage. Il y a des racines de la même couleur que le dragon. On ne sait plus voir, faire la distinction entre les différentes couleurs, entre la vérité, le mensonge, l'illusion. Vous risquez d'être un peu dans une période de trouble, si vous voulez. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que peut-être vous en référer à vos intuitions, si vous voulez. Il est possible que certains Verseaux aient des expériences un peu surnaturelles, des rêves,
où vous pourriez être transporté vers un renouveau. Et il y a des choses qui vont être effectivement séduisantes. Et puis, vous allez peut-être pas trop savoir quel chemin prendre. C'est possible. Il peut aussi que vous ayez une certaine impulsion, de l'impulsivité suite à toutes ces expériences de vie là, que vous menez de front. Certains Verseaux peuvent être un peu agités, si j'ose dire, mais, et vous allez peut-être agir sans vraiment réfléchir. Mais c'est un peu normal. Vous ne pouvez pas vous battre, vous séparer, sans qu'il n'y ait pas de conséquences qui soient un peu néfastes. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui va essayer de vous éloigner de la lumière, mais pas très longtemps, parce que vous êtes quand même bien entouré. Dans l'environnement, il y a quand même quelqu'un ou plusieurs personnes qui vous aident effectivement à garder le cap, à aller de l'avant et à ne pas avoir peur de ce qui va se présenter à vous. Vous n'êtes pas seul, c'est important de le dire. Et ici, si vous voulez, vous risquez vous plutôt de vous accrocher, à mon avis. Il va falloir vous accrocher à ce soleil de l'environnement, à ces personnes qui vous énergisent, parce que si vous voulez, vous n'allez vraiment... Vous allez ruminer un peu, vous allez avoir l'impression qu'il y a des ennemis secrets, des gens qui marchent dans l'ombre. C'est pas de la paranoïa, mais si vous voulez, vous avez l'impression que certaines personnes vont vous mettre en difficulté, vous voyez. Vous avez l'impression que ce qui vous arrive, c'est forcément la faute des autres. Ce qui est vrai, mais quelque part, j'ai envie de vous dire, vous allez être obligé de passer par ce stade-là. Et surtout, restez bien aligné avec ce soleil-là, parce que c'est l'extérieur qui va vous éclairer pour éviter de trop rester dans l'environnement lunaire. Alors, comment vous êtes dans votre état d'esprit, vous avez l'as de denier. Donc, on est bien sur un renouveau. Vous avez des petits dragons ici qui sortent de leur œuf. Et les œufs étant bien ancrés dans des racines d'arbres. Donc l'ancrage, c'est quelque chose de très fort parce que ça traduit la sécurité. Et cet as de denier-là, pour moi, c'est une très bonne nouvelle puisque grâce à votre inconscient où vous voulez réussir d'un point de vue familial et bien évidemment réussite sur tous les points de vue, mais également réussite professionnelle et réussite... une maison, un foyer, etc. Avec cette vallée de deniers où il y a effectivement de nouveaux messages, de nouvelles idées, ça va vous donner une énergie de fou pour redémarrer une nouvelle histoire de vie qui va être positive. Il est possible que certains Verseaux aient fait des rencontres, cette fois, qui vont les mener à ça, à cette 10 de coupe, voyez. Peut-être que certains Verseaux vont se séparer de personnes pour aller vers une autre personne qui va leur apporter cette 10 de coupe et quelque chose de particulièrement positif. Avec l'as de denier, c'est absolument positif, rien de négatif. C'est comme le nouveau-né là, qui naît et qui est une promesse et à qui tout peut réussir. Très très jolie carte. Ensuite, vous avez ici la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est l'influence de la famille et des amis. La 8 de coupe, c'est, si vous voulez, une personne qui... en matière émotionnelle, pourrait être un peu impatiente dans la mesure où il y a un manque de discipline pour certains qui vous entourent. Comme si vous voulez, il y avait une forme de renoncement. Peut-être que certains amis ou certains membres de votre famille pourraient renoncer à vous épauler, à moins que ce soit vous qui tourniez le dos à certains membres de votre famille. Il est possible que vous ou des membres de votre famille refusent de prendre leurs responsabilités et il va y avoir quelqu'un qui va tourner le dos. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre famille. Vu que vous êtes dans cet état d'esprit de vous battre et que vous vous mettez en marche pour ça, j'ai l'impression que c'est plutôt certaines personnes à l'extérieur qui vous tournent le dos et ne vont pas voir que vous êtes là et que vous avez toutes ces coupes-là et que vous êtes quand même généreux, voyez-vous. Donc il y a une période qui est peut-être insatisfaisante d'un point de vue familial et amical. Pour autant, rassurez-vous, il y a quand même, c'est vous qui avez raison, puisque vous vous mettez en marche, et vous vous mettez en marche pour du meilleur. Vous allez suivre vos instincts, et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Allez, je vous propose de recouvrir toutes les cartes avec le tarot des 78 portes, qui sera lu et interprété sur Vimeo,
Vous trouverez le lien en descriptif. Et si ce tirage vous parle, je vous invite bien évidemment à aller voir. Parce que ça porte bien sûr sur d'autres... Enfin, ça approfondit, hein, effectivement. J'ai envie de dire, on sent que vous remettez... Ouais, vous êtes vraiment dans une bagarre de... On va y arriver, quoi. Vous êtes tenace. Allez, encore une fois, on coupe. Allez, sur votre énergie avec la 7 de bâton. Oh, il y en a beaucoup trop. Là, il y en a deux, je vais vous la mettre. Regardez. La 10 d'épée et la 6 de bâton. On voit qu'avec la 10 d'épée, vous sortez. Hein, vous sortez de cette énergie négative. Vous voyez, la 10 d'épée, elle est là. Hein. Elle revient dans votre, elle est dans votre présent. Elle revient là. Mais on sent que c'est quelque chose que... Cette lutte, elle est de c'est maintenant. On ne repousse plus. On ne repousse plus la lutte, en fait, chez les anniversaux. Alors, sur le soleil, sur une carte donc, qui vous est favorable... Oh. Alors, je ne peux pas les prendre parce qu'il y en a trop, mais regardez, vous avez encore le soleil. Hein, ça fait soleil plus soleil. C'est révélateur. Hein. Nous avons, regardez, l'as d'épée. Très, très, très bien. Vous êtes très bien entouré. Celui ou celle qui vous donne cette énergie de vous battre, c'est la personne vers laquelle il faut vous tourner. Donc, influence négative. Regardez, vous avez la 4 d'épée. C'est logique. Sur votre présent, avec cette cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, on en a deux. Je vous les mets à deux. La valet de coupe et la 8 de bâton. C'est très bien. Ça restera transitoire hein, de toute façon. On voit si c'est un déménagement ou quoi. Enfin, il y a du changement. Hein. Sur votre inconscient, nous avons... Oh, ben, il y en a deux aussi. Oh, et ben, il va y en avoir des choses à dire sur Vimeo. Hein. La justice encore sur votre inconscient. Et la roi d'épée. Ben, dites donc. La justice plus la justice. Et sur la justice de votre passé, le jugement de valeur. Vous voyez, je ne me trompe pas quand je dis que dans votre inconscient, il y avait... Que quand je vous disais que certains pouvaient voir des thérapeutes pour voir dans leur passé s'ils ont eu tort ou raison sur certaines actions de leur vie... On voit que c'est encore dans votre inconscient. Donc certains sont encore dans le jugement, à moins que vous jugiez d'autres personnes. Mais voilà, regardez votre passé, la 5 de bâton. Je ne suis pas surprise. Sur votre futur probable avec la lune. Celle-là, elle saute. La mort. Très, très bien. Ne voyez pas la mort d'un aspect physique. Voyez la mort comme un changement d'état d'esprit. J'aime beaucoup. Sur votre état d'esprit, avec cette tasse de deniers. Regardez, l'as de bâton. Ça fait as de deniers, as de bâton. Très, très, très bien. Alors, il y a du changement. Si vous, il n'y a pas de changement, il n'y a personne qui en a. Sur cette famille et ses amis, avec la 8 de coupe, là, où il y a une forme de déception. Déception, de tristesse ambiante. Vous n'allez peut-être pas être suivi par toute votre famille si vous prenez des choix importants de votre vie. La 3 de bâton. Vous ne serez pas trop lâché, ça va. Enfin, sur cette 4 d'épée, donc sur les conséquences de vos actions, de vos pensées sur vous-même, vous aviez la 4 d'épée, donc le repos, qu'est-ce qu'on a? Celle-là, elle saute. Regardez comme c'est magnifique. Les amants. Parfait. Il n'y a rien à dire. Et enfin, cette 5 de denier sur les séparations, les associations qui se terminent, et ben voyons, la roue. Arcane majeur. Bon. Ne quittez pas tout de suite la scène, posez-vous. Donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo,
Je réponds à une question donc précise vous concernant avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc je demande qu'à seulement à ceux qui me rejoignent sur Vimeo de réfléchir à cette question. Sinon, ça fait beaucoup trop d'énergie sur les cartes. Allez, on va répondre à la question précise de nos amis Verseau sur les énergies qui sur cette guidance générale du mois d'août. Peut-être que certains d'entre vous ne vont pas avoir l'impression d'avoir le soutien escompté de la famille, mais je dirais que si la famille ou les certains amis vous déçoivent, j'ai quand même le sentiment que d'autres personnes de l'extérieur pour vous apporter un soutien sans faille. Regardez, la 5 de pique. Nous avons la 2 de cœur. C'est joli ça. Nous avons, en tant que consultant ou consultante, comment vous vous matérialisez-vous? Ah, vous avez la 4 de pique. Ensuite, elle est tombée la 4 de pique, hein, au sol. Hein, donc ça traduit quand même qu'il y a... Je garde celle-là. La 6 de coupe. Tiens donc, le cheval de 3. Et la dernière. Il y en a trop. Celle-là. Vous avez la 6 de carreau. Ouh là là, ça bouge, hein. Ça bouge. Enfin, au niveau... Je vais vous proposer également, c'est tout nouveau, je vous propose de suivre... C'est l'oracle des druides, ce qui est ici, si vous voulez, et qui vous invite à suivre un animal totem, à revenir à ses origines. Vous savez, on est tous un peu de tout, on vient tous de la même cellule depuis très très longtemps. Et si vous voulez, si vous croyez aux Amérindiens, aux forces des druides, à tout ce qui est alchimique, aux sciences quantiques, moi je vous invite à suivre un peu cet animal totem et à vous inspirer de ce que l'animal peut vous apporter. Allez, je tire, je peux pas, là ça s'attrape pas, hein, c'est pas possible, les cartes sont trop grandes. Donc, voici l'animal totem qui vous est invité à suivre. Et je vous expliquerai le tout, bien sûr, sur Vimeo. La loutre. Voilà. Voilà, là, on a fait le tour. Donc, mes amis Verseau, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Enfin, vous connaissez la chanson. Et dans quelques jours, vous aurez vos guidances sentimentales pour ceux que ça intéresse. Enfin, les autres, je reviendrai bien évidemment et j'espère vous voir nombreux pour vos prochaines lectures du mois de septembre. En attendant, portez-vous bien, aimez-vous vous-même et je vous dis à très bientôt, mes amis Verseau. Bisous, bisous.